la rue de Lausanne, j'habitais avec mes parents. En haut de la rue de Lausanne, il y avait des escaliers qui montaient et on arrivait au collège Saint-Michel. Et puis ensuite, je descendais à la rue pour aller en ville, pour la rue. Quand j'étais au Saint-Michel, j'allais au Varis. Après, je descendais à la bibliothèque cantonale. Puis j'allais sur la rue d'Hôpital. Après, je descendais la rue d'Hôpital, puis j'arrivais à Georges Piton, place Georges Piton. Là, ça, c'était pour... Il y avait des musiques qui allaient jouer. Ah ouais? Oui, il y avait des concerts, des fois, donc, pas des concerts, comme on peut dire. Des orchestres, non, des musiciens de groupe, oui, comme par exemple la Landwehr, la Concordia, je pense que c'était ça qui allait jouer, ou bien Saint-Michel, l'école de Saint-Michel, enfin le collège Saint-Michel, il allait aussi donner des concerts là-bas. Alors là, il y avait des magasins, il y avait tout en haut, il y avait Wassmeyer. Il y avait, mon Dieu, comment, il y avait une horlogerie, il y avait un magasin de café qui s'appelait Mercure. Puis qu'est-ce qu'il y avait encore? Oui, il y avait des boucheries, comment ils s'appelaient déjà? Il y avait une boucherie, une boulangerie. Ah ouais. Enfin, il y en avait deux. C'était vers le milieu, avant la fontaine. Ah. Après la fontaine, où il y avait la fontaine, justement, il y avait un magasin de vêtements, Woodcool. Et puis sinon, en bas de la rue de Lausanne, je ne sais même plus ce qu'il y avait. Puis il y avait un salon de jeux. Ah ouais. C'était mon beau-frère. Ça. Oui, oui, le frère à grand-papa, Joseph, il avait là-bas un truc de jeu. C'est pas croyable comme ça. Tout change.